Et ma femme, vous la trouvez intéressante? Pardon? Je te demande si tu trouves ma femme intéressante. Si elle est à ton goût. Si elle se rapproche un peu de ton idéal féminin. Je n'ai pas d'idéal féminin. Bravo, moi non plus. Mon idéal, c'est quand elle sourit. Manque de bol, elle sourit plus. T'as pas répondu à ma question. D'abord, c'est qui votre femme? La petite brune, là. Juste en face. Qui termine sa choucroute en faisant comme si on n'était pas là. Tu la situes? Avec le tricot. Celle que tu mates depuis 20 minutes par-dessus mon épaule. Alors que j'essaye tranquillement de déjeuner un dimanche. Dommage qu'il n'y ait pas une nappe en papier, je te ferai un croquis. Est-ce que vous cherchez exactement? Vous cherchez la bagarre? Mais oh, ouais. On est en 78 et bientôt en l'an 2000. Dégagé, moderne. Fini les duels. Moi, je suis désintéressé comme mec. Ce que je veux, c'est le bonheur de ma femme. Qu'elle s'épanouisse. Alors je m'efface. C'est pas sympa? Je te cède la place. Tiens. Pour l'addition. Tout ce que je te demande, c'est de lui ressusciter le sourire. Parce qu'avec moi, elle s'éteint. Je te passe leur nez. Si t'arrives à la faire sourire, alors là, tu seras mon pote. Et crois-moi, à partir du moment où je dis à un mec, t'es mon pote, il peut tout me demander. Remarque, à ce moment-là, il te restera plus grand-chose à me demander, d'accord? Ça fait rien. C'est jamais mauvais d'être mon pote. Vu? Ça te joue.